Je ne sais pas si quelqu'un me comprend aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous partez en voyage. Vous voulez pas dire. Parce que vous craindrez les démons, les sorciers. Want jullie vrezen de demonen, de heksen. Dans notre tête. In onze hoofd. Sorcier famille. De familie heks. Ta tante n'a rien fait. Jouw tante heeft niks gedaan. Parce que les démons sont pas omniprésents, omniscients. Want de demonen zijn niet overal en almachtig. Seul Dieu est omniprésent, omniscient, overal en almachtig. Alors ta tante qui était peut-être sorcier, mais elle ne sait pas. En jouw tante die misschien heks is, maar ze wist het niet. Quand toi tu es avec le Seigneur, tu vas prier. Je gaat bidden. Psaume 121 qu'il dit. Psalm 121 dit. Que l'Éternel protège mon départ et mon arrivée. Mijn vertrek en mijn aankomst beschermen. Où est la foi? Waar is het la geloof, confiance de en Dieu? In God. Seigneur, c'est toi qui me dirigeras. Jij zult mij begeleiden. C'est toi qui me conduiras. Jij zal mij besturen. Psaume 31 verset 4. Psalm 31 vers 4. C'est toi qui me dirigeras, jij qui me conduiras. Jij zult mij besturen en begeleiden. Montrez que vous êtes les enfants du Dieu très haut. Laat zien dat jullie zijn de kinderen van de Allerhoogste. Montrez que vous êtes les enfants de la lumière. Laat zien dat jullie zijn de kinderen van het licht. C'est la lumière qui rentre. Het is de licht die binnenkomt. Et les ténèbres fuient. En de duisternis vlucht. Mais toi, lumière, en jij licht. Tu fuis les ténèbres. De duisternis. Ça n'existe pas. Dat bestaat niet. Si tout est ténébreux ici. Als alles duisternis is hier. Et tu allumes seulement une petite lumière. En je laat alleen maar één klein licht branden. Tout le monde va regarder. Iedereen gaat zien. Parce que la lumière est plus fort. Want de licht is veel sterker. Alléluia. Amen. Déclare que Jésus-Christ est plus fort. Verklaar dat Jezus Christus is de sterkste. Alors la Bible dit clairement. De Bijbel zegt daarmee duidelijk. Colossiens 2 verset 20. Colossiens 2 20. Si vous êtes déjà en Christ. Als jullie al in Christus zijn. Pourquoi vous vivez et vous montrez à vos enfants cet mauvais comportement? Waarom laten jullie zien aan jullie kinderen deze slechte gedrag? Ne touche pas ça. Raak dat niet aan. Ne touche pas ci. Doe dat niet. Ne prends pas ça. Neem dat niet. N'écoute pas ça. Doe dat niet. L'enfant est devenu mal à l'aise. Is slecht gevoeld. Il part jouer, il a faim. Heeft honger. Il veut boire. Hij wil drinken. Mais maar l'enfant a l'image de son maman derrière. De kind heeft die beeld van zijn mama die zo achter hem staat. Si boire, als je gaat drinken, je gaat zien. L'enfant ne vit pas libre. De kind leeft niet vrij. Où est la liberté des chrétiens? Waar is de vrijheid van een christenen? Où est la liberté? Waar is de vrijheid? Vous êtes appelé jullie dans la liberté. In de vrijheid. Pourquoi vous manipulez la tête de vos enfants comme jullie ça? Jullie besturen de hoofd van jullie kind zo. Il y avait un enfant venu chez moi. Er is een kind kwam bij mij. C'est pourquoi j'ai reçu cette inspiration. En daarom kreeg ik deze inspiratie. Chaque fois il dit non, j'ai pas faim. Elke keer nee, ik heb niet honger. Et quand on mange, en toen we eten. J'avais dit OK, je vais les tester. Ik zei kan ik hem testen. J'ai pris un poulet avec mijn kip. Avec les frites là. Met frietjes daar. Devant ses yeux, j'ai fait. Voor zijn ogen, ik zei J'ai vu l'enfant comme ça. Ik zag de kind zo. J'ai dit mais tu as faim. Ik zei maar je hebt toch honger. Pourquoi tu veux pas manger? Waarom wil je niet eten? Non, j'ai pas faim. Nee, ik heb geen honger. J'ai fait encore. Ah. Ik heb nogmaals zo gedaan. Et lui. En hij. Et j'ai dit, en ik zei, jij hebt honger. Prends un peu. Pak een beetje. Oui, mais mes parents ont dit. Ja, maar mijn ouders hebben gezegd. Ah, c'est ça que je voulais écouter. Dat is wat ik wou horen. Tes parents ont dit quoi? Wat zei je ouders? On n'a pas le droit de manger dehors. We hebben geen recht om bij de mensen te eten. Vous voyez? Jullie zien? Vous êtes appelés dans la liberté. Jullie zijn geroepen in de vrijheid. Mais ne faisons pas cette liberté de vivre selon l'esclavage. Maar doe niet van die vrijheid om te leven volgens de slavernij. Libérez votre conscience. Bekijk jouw bewustzijn. Vous êtes les enfants de la lumière. Jullie zijn kinderen van het licht. Ne vivre pas comme les gens du monde. Doe niet om te leven volgens de mensen van en de wereld. Jésus-Christ, in Jezus Christus. Il y a la liberté. Er is vrijheid. Alleluia. En Jésus Christ. In Jezus Christus. Il y a la liberté. Er is vrijheid. Wow, Jésus-Christ est merveilleux. Jezus Christus is ongelooflijk. Lui qui a dit clairement. Hij die zegt duidelijk. Clairement. Duidelijk. Jean 14 verset 27. Johannes 14 vers 27. Jean 14 verset 27. Johannes 17 vers 27. La parole dit. De woord zegt. Je vous donne ma paix. Ik geef jullie mijn vrede. Je vous laisse ma paix. Laat jullie mijn vrede. Ce n'est pas la paix comme le monde donne. Dat is niet de vrede die de wereld geeft. Vous vivez dans la peur. Dat jullie leven in angst. Vous êtes les enfants qui jullie zijn de kinderen die zeggen. Je suis
content. Ik ben blij. Je suis fier. Ik ben trots. Car Jésus m'a donné Want la Jezus grâce genade de devenir enfant kind de Dieu. God te worden. Je vais marcher Ik ga wandelen avec mon Seigneur. Met mijn Heer. Gauche, links, les démons tombera. De démons fallen. Droite, rechts, les démons tombera. De démons fallen. Car c'est lui qui est avec moi. Il a dit, tu ne seras pas atteint. Tu regarderas seulement de tes yeux. Et kijken. Tu verras la rétribution du méchant. Aucun malheur n'arrivera. Aucun flot n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te porter dans leurs mains. Ou même si tu es lourd. Les anges travaillent pour toi. Ce sont tes serviteurs. Comme on voit, le roi de Belgique a des soldats. Et le roi de Belgique a ses enfants. On appelle les enfants des princes et des princesses. Et quand les soldats ils voient, les princes rentrent, ils disent bonjour, prince. Les anges vous servent parce que vous êtes les enfants de Dieu. Alléluia! Vous êtes les enfants de Dieu. Van God. Vous avez un peu de temps sur la terre. Jullie hebben een klein beetje tijd op aarde. C'est un examen dans la vie. Het is een test op jouw leven. Fais des bonnes choses. Doet goede dingen. Et fais de la volonté de Dieu dans ta vie. En doe de wil van God in jouw leven. Quand tu marches, wanneer je wandelt, cherchez de méditer. Zoek om te mediteren. Pour faire la volonté de Dieu. Om de wil van God te doen. Ephésiens chapitre 5 verset 17. Ephésiens hoofdstuk 5 vers 17. Ne sois pas stupide dans la vie. Wees niet dom in het leven. Mais comprenez quelle est la volonté de Dieu. Wat is de wil van de Heer? Ephésiens 5 17. Ephésiens 5 17. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Wat is de wil van de Heer? De marcher selon son fils a marché. Om te wandelen volgens hoe zijn zoon heeft gewandeld. Qu'est-ce que la volonté de Dieu? Wat is de wil van God? De lire la parole. Het is om het woord la te lezen. La Bible. C'est le premier pasteur. Het is de eerste pastoor. La Bible. De Bijbel. Te trompera jamais. Zal nooit bedriegen. Tous les livres peuvent te tromper. Alle boeken kunnen jou mais c'est la vérité. Bedriegen. Maar la Bible. Is de Bijbel. Car ta parole est la vérité. Jouw woord is de waarheid. Jean 17, 17. Johannes 17, 17. Psalm 119, Psalm 119. Verset 160. Vers 160. Car ta parole Want jouw woord est la vérité. Is de waarheid. Alléluia. Amen, enfant de Dieu. Est-ce que vous êtes là? Zijn jullie daar? Enfant de Dieu. Kinderen van de Heer. Il faut que ça termine. Dat moet eindigen. Toi, chrétien, à partir d'aujourd'hui, vandaag, ne cherche pas les coutumes. Zoek niet meer de gewoontes of Dieu tradities. Déteste les coutumes. God houdt niet van gewoontes of tradities. Les coutumes vous ont mis esclaves. De gewoontes hebben jullie slaaf gemaakt. Vous connaissez vous-même Laban. Jullie kennen zelf Laban. Dans les livres de Genèse, Laban. In het boek van Genesis, Laban. Jacob. Jacobus. Il voulait marier Rachel. Hij wou Rachel trouwen. Rachel et Léa. Rachel en Léa. Jacob est tombé amoureux de Rachel. Jacob was verliefd gevallen op Rachel. Mais non de Léa. Maar niet van Léa. Mais Léa était la grande. Maar Léa was de oudste. Première née, comme on dit. De eerste geboren, hoe dat we zijn. Alors Rachel était dus Rachel deuxième. Was tweede. Ou bien cadette, on dit. Of de kleinste. Comme ça, alors le deuxième. Zij is de tweede. Alors qu'est-ce que veut dire? Dus wat wil dat zeggen? Jacob est tombé amoureux à petite sœur. Is verliefd gevallen op kleine zus. Il a dit ça à Laban, leur Hij père. Zei tegen Laban, zijn vader. Et Laban a dit, en Laban tu veux marier Rachel? Wil je Rachel trouwen? Attends, bah, je viens. Ik kom. Il est parti parler avec les chefs coutumiers de la chef famille. Van de familie. Il est retourné vers Jacob. Hij kwam terug bij Jacob. Il a dit, en hij zei, c'est pas possible. Het is niet mogelijk. Dans notre coutume, in onze gewoonte, les premières nœuds, de eerste, il faut marier d'abord. Moet eerst trouwen. Après ça, les deuxièmes. En dan de tweede. Nee. De tweede geboren. La cadette, on dit en français. De kleinste. Amen. Cadette. Cadette. Ok. Cadette. De cadette. Alors, d'abord les premières nées. Dus eerste geborene. Après ça, la cadette. Dan de cadette. Je vais demander maintenant. Ik kan u vragen. Proverbe 27, verset 1. Spreuken 27, vers 1. La parole dit. Het woord zegt. Ne pense pas au lendemain. Denk niet aan de dag erna. Tu ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Je weet niet aan wat gaat gebeuren. Je le répète. Ik herhaal. Ne pense pas au lendemain. Denk niet aan wat gaat komen. Car tu ne sais pas qu'est-ce qui va passer. Want je weet niet wat gaat gebeuren. Si la première née. Als de eerstgeborene. Qui n'arrive pas à se marier. Die niet kan trouwen.
elle va bloquer la, les chemins des autres. Ze gaat de weg blokkeren van anderen. Elle va bloquer. Ze gaat blokkeren. Est-ce que quelqu'un me comprend? Begrijpt me hier iemand? Alléluia. Amen. Vous disiez que Laban a dit, Laban zei, c'est notre coutume, het is onze gewoonte, que d'abord. Dat de eerste geborene alors, si le komt. Premier-né dus als de eerste geborene n'arrive pas à se marier, kan niet trouwen, les autres, de anderen, qu'est-ce qu'ils vont faire? Wat gaan ze doen? Attendre. Wachten. Alors, leur destin va mourir. Dus een van hun toekomst van sterven gaat sterven. Amen. Vous voyez, jullie zien, la coutume des hommes, de gewoonte, tradities van de mensen, God houdt daar niet van. Jérémie, chapitre 10, Jeremia, hoofdstuk 10, verset 3. Vers 3. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Van de tradities van de mensen, gewoonten zijn maar wind. Dieu dit, God zegt, les coutumes des peuples ne sont que vanité. God zegt dat de tradities van de volken zijn zinloos. Ils vous bloquent. Ze blokkeren jullie. Sors de cela. Ga uit eruit. Tu es chrétien. Je bent christenen. Et quelqu'un te dit, en iemand zegt jou. Imagine un exemple. Geef maar een voorbeeld. Ta mama est décédée. Jouw mama is gestorven. Alors chez nous, dus bij ons, nous cette tribu, deze stam, on n'enterre pas seulement comme ça. We gaan niet zomaar begraven. Il faut prendre les habits de mama. De kleren van mama nemen. Il faut les brûler. Je moet het gaan branden. Et après ça, en dan, il faut jeter. Dan moet je gaan smetten. Fois, drie keer. Pour que le feu soit terminé. Zodat het vuur zou eindigen. Après ça, de partir enterrer. Om dan te gaan begraven. Il y a des choses comme ça. Er zijn zulke dingen. Vous les connaissez très bien. Jullie kennen dat heel goed. Et quand l'enfant, en wanneer de kind, la mama est décédée, de kind is, de mama is gestorven, il est obligé de faire ça. Is verplicht om dat te doen. S'il ne fait pas, les tribus vont les regarder. Als hij dat niet doet, de stam gaat kijken. Mais il a oublié qu'il est chrétien. Maar hij is vergeten dat hij is christen. Car quand tu allumes, tu brûles les habits. Maar wanneer je die kleren brandt, c'est une acte de la sorcellerie. Beheksing, het is een teken van hekserij. Les secrets, écoutez bien. Luister goed naar het geheim. Dans l'Ancien Testament, in het Oude Testament, vous savez vous-même, jullie weten zelf, dans les livres de Deux Rois, chapitre 2, in het boek van 2 Koningen, hoofdstuk 2, Élisée, quand les gens sont venus, toen de mensen waren gekomen, ils ont vu que de l'eau était amère. Ze zagen dat de water was bitter. Poisonné, pas bon. Was vergift. Alors, ils ont appelé Élisée. Dus ze roepten Élisée. Ils ont dit, ze zeiden, de l'eau sont mauvais. Die water is slecht. Qu'est-ce que Élisée a dit? Wat heeft Élisée gedaan? Prends le sel. Pak de zout. Jette-les. Zij smet het. Et de l'eau va devenir pure. En de water wordt beter. Qu'est-ce que dit la Bible? Wat zegt de Bijbel? Le diable pense comme de duivel denkt zoals een mens. Le diable pense comme un humain. De duivel denkt zoals een mens. Il imite ce que Dieu a fait. Hij doet na wat God heeft gedaan. Dans l'Ancien Testament, in het Oude Testament, alles. Les Lévitiques, ils ont fait. Alles wat de Leviticus hebben gedaan. Tout ce que les prophètes, ils ont fait. Alles wat de profeten deden. Le diable, il utilise ça jusqu'aujourd'hui. Gebruikt het tot vandaag. Chez les marabouts. Bij de marabouts. Chez les voodoos. Bij de voodoos. Chez tous les gens là. Bij al die personen. Alors, il y a des gens. Dus er zijn mensen. Il prend de sel. Ze nemen zout. S'il y a problème. Als er een probleem is. Il met ça devant la porte. Ze doen dat voor de deur. Pour arrêter qui? Om wat te stoppen. C'est la troisième catégorie. Dat is de derde categorie. La troisième catégorie. De derde categorie. Écris-la, s'il vous plaît. Schrijf het op alsjeblieft. Les objets du combat et protection. De objecten van gevecht en bescherming. Ils appellent ça les objets de combat et de protection. Ze noemen dat objecten van gevecht en bescherming. Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas dormir. Wat, kan je niet slapen? Viens. Kom. Tu vas prendre du sel. Je gaat zout nemen. Et mets ça devant la en zet dat voor de deur. Et quand les démons, ils vont en wanneer de demonen gaan komen. Ils vont dire, au, zal zeggen, du sel, je ne peux pas. Zout, ik kan niet. Un esprit. Un geest. Il peut pas fuir. Kan niet vluchten. Avec celui qui est visible. Wat zichtbaar un esprit. Un geest. C'est un esprit. Het is een geest. Il n'est jamais mouillé. Hij is nooit nat. Il ne peut jamais, même si la guerre, même si les granates. Ook al komt de granaat. Un esprit. Un geest. C'est comme ton ombre. Het is jouw schaduw. Alors, il est toujours là. Hij is altijd daar. Il ne fatigue pas. Hij wordt niet moe. Il ne mange pas. Hij eet niet. Il est là. Hij is daar. Un esprit. Un geest. Ne peut pas kan niet être détruit par l'homme. Visuele objecten. Amen. Alléluia. C'est pourquoi daarom, la parole dit zegt, clairement dans Actes des Apôtres, chapitre 4, hoofdstuk 4, verset 12, vers 12, c'est le nom de Jésus-Christ. Alleen de naam van il Jezus va chasser les démons. Gaat de demonen wegjagen. C'est le alleen nom de naam van Jezus Christus.
aucun esprit geen enkel geest va sortir gaat wegwegen si tu n'as pas appelé le nom de Jésus-Christ. Als je niet de naam van Jezus Christus hebt geroepen. C'est le nom de Jésus-Christ, alleen de naam van Jezus Christus que Dieu enkel, a donné, die God gaf, pour que vous soyez protégés. Zodat jullie worden beschermd. Pourquoi le nom de Jésus-Christ? Waarom de naam van Jezus? Parce que le nom de Jésus, van de naam van Jezus, Jésus-Christ, Jezus Christus, c'est homme. Het is mens. Christ, Christus, c'est le sauveur. Het is de redder. Lui, il est mort. Hij is gestorven. Pour vous, voor jou, pour que vous deviendrez des esprits comme Christ. Christus, zoals Christus. C'est pourquoi, daarom, quand tu appelles le nom de Jésus Christ, alors les démons, ils vont écouter, ils sont obligés d'obéir, car c'est le nom de Jésus Christ, c'est Christ qui les a créés. Qui est Christ? Christ, c'est la parole qui vient au-dedans de Dieu. Quand Dieu a fait des choses, il a parlé. Et quand il a parlé, son esprit a donné vie. C'est pourquoi, dans les nom de Jésus qui t'a créé, que tu vas recevoir toutes choses. Craignez Dieu dans le nom de Jésus Christ. In de naam van Jezus Christus. Alléluia. Amen. Dis dans ton cœur, zeg in jouw hart, je t'aime Jésus. Ik hou van jou, Jezus. Je t'aime Jésus. Ik hou van jou, Jezus. Viens dans ma vie. Kom in mijn leven. C'est toi seul qui peux me protéger. Alleen jij zelf kan me beschermen. C'est toi seul. Alleen jij zelf. Qui peut prendre mes problèmes. Die mijn problemen kan nemen. C'est toi seul. Het is jou zelf. Qui peut finir les maladies je incurables. Kan de ongeneesbare ziekte eindigen. C'est toi seul. Alleen jij. Tu as la prospérité dans les mains. Je hebt de voorspoed in jouw handen. Exauce. Vervuld. 3 Jean. Johannes 3, chapitre 1, vers 1, à partir de verset 2, vanaf vers 12, 2. Je veux que vous soyez prospérité. Ik wil dat je voorspoedig zal zijn. Chose. In elke zaak. Enfant de Dieu. Kinder van de Heer. Tu es ici aujourd'hui. Je bent hier vandaag. Vous savez quoi? Weten jullie wat? Ce n'était pas ta force. Het is niet jouw kracht. Amen. Ce n'était pas ta force. Het is niet jouw kracht. Jésus-Christ avant que tu sois né. Jezus Christus voordat je geboren werd. C'est lui qui t'a dit. Hij zei, aujourd'hui. Vandaag. Tu partiras ni à gauche, je zult links gaan, ni à droite, niet rechts, mais tu seras ici. Maar je zult hier zijn. Pour écouter. Om te luisteren. Ce que tu écoutes wat je vandaag luistert. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui a voulu que tu sois là. Het is God dat wil dat je daar zou zijn. Dis merci zeg, Seigneur Jésus. Dank u, Heer Jezus Christus. Merci Seigneur Jésus. Dank u, Heer Jezus Christus. Troisième catégorie. Derde categorie. Les objets du combat et de protection. De objecten van gevecht en bescherming. Il y a un mama. Er is een mama. Qui voulait avoir des enfants. Dat ze kinderen wou hebben. Son propre mama qui a dit. Zijn eigen mama die zei. Je vais t'envoyer. Ik kan jou sturen. Vers un ami de moi. Bij een vriend bij mij. Il va prier. Hij gaat bieden. Et tous les démons. En alle démonen. Bloqué, die blokkeerden. Ils partiront. Zullen weggaan. Alors ils sont partis. Dus ze gingen. Tu sais ce qu'ils ont demandé? Weet je wat ze vroegen? Ils ont demandé des photos, photos de son ex. Van zijn ex. Tous les ex qu'elle avait. Alle exen dat ze il had. Fallait amener des photos. Ze moest foto's brengen. S'il n'avait pas de photos, als ze geen foto's had, il faut les appeler d'amener même leur, dan moet ze ze schoenen, chaussures, zelfs ze schoenen brengen. Mais un objet. Maar een object. C'est dans les catégories de la magie matérielle. Het is bij de categorie van de materiële hekserij. On avait eu ça déjà. We hebben dat al besproken. Alléluia. Amen. Et elle, en zij, elle est partie, elle a pris toutes les photos de son ex. Ze gingen foto's nemen van al zijn exen. Et son ex, en zijn ex, tous ses ex là, al die exen daar, dans un mois plus tard, een maand later, ils étaient tous morts. Ze waren allemaal dood. Ils étaient tous morts. Ze waren allemaal dood. Quand cette femme toen die vrouw a raconté des choses là, heeft dingen zo verkondigd. Ma tête était dans la tristesse. De hoofd was bedroefd. Parce qu'elle a dit, want ze zei, elle est intercesseur dans une église. Ze biedt in de kerk. Et comment en hoe tu as écouté heb je geluisterd? Les informations, les conseils de ta maman, de raad van je moeder, van ga naar daar. Où était Jésus-Christ waar was Jezus Christus voor jou? Tu as tué. Je hebt gedood. Car la Bible dit, want de Bijbel zegt. Dans le septième commandement, in de zevende. Het gebod van de tien geboden. Tu ne dois pas tuer. Je mag niet doden. Alleluia. Amen. Nous sommes où?
Waar zijn wij? Où est les vrais chrétiens? Waar zijn de ware christenen? Qui est les vrais chrétiens? Wie zijn de ware christenen? Que tu sois libre aujourd'hui. Dat je zou vrij zijn vandaag. Alléluia. Amen. Chrétien. Christenen. Es-tu chrétien? Ben je christenen? Si tu dis oui, als je zegt ja, alors soyez libre. Wees dan vrij. Dégagez toutes les photos, images de Marie ou de croix, je ne sais pas quoi. Jette-les, alléluia. Donnez honneur à votre Seigneur. Geef eer aan jouw Heere. Jette-les. Smijt het weg. Car Jésus-Christ, tu ne sais pas comment il était. Want je weet niet hoe dat Jezus Christus was. Tu ne peux pas mettre les barbes comme je ça. Niet de baard zo zetten. N'avait pas. Je weet niet eens als je dat had. Toi-même, si quelqu'un met une photo de toi, als iemand een foto van jou zet, il met les barbes comme en ça. Zet de baard qu'est-ce zo, que tu vas dire? Wat ga je doen? Ce n'est pas moi. Dat ben ik niet. Alors pourquoi de faire Jésus-Christ comme ça? Maak je Jezus Christus zo? Est-ce qu'il était maigre comme ça? Was hij zo mager? Est-ce que tu sais ça? Weet je dat? Arrête! Stop! Vous faites Marie, mère de Jésus, comme, vraiment comme ça? Jullie doen Maria van Jezus avec zo, un soleil de, met derrière. Een zon est-ce achter. Qu'elle va pas brûler? Gaat ze niet branden? Arrête! Stop! Vous faites Marie avec le couronne. Est-ce que Dieu a déclaré dans la Bible qu'elle a porté des couronnes? Heeft God verklaard in de Bijbel dat ze een kroon heeft gedragen? Est-ce qu'elle était la reine de Juda? Was ze de koningin van Juda? C'était Hérode. Het was toch Hérode? Pas Marie. Niet Maria's. Pourquoi vous faites ça? Waarom doen jullie dat? Et vous mettez Jésus-Christ dans son mécanisme. Zet Jezus Christus in de hand zo. Est-ce que Jésus-Christ a porté des pampers? Ging Jezus Christus pampers dragen? Je vois des photos bizarres avec Jésus-Christ avec des pampers. Jésus met pampers. Dans ces temps-là, il n'avait pas de fabrique. Er waren niet eens fabrieken in die tijden. Réveillons-nous. Word toch wakker. Nous sommes où? Waar zijn we? Le moment est venu moment is que les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Oui, je veux. Mais c'était ça pour aujourd'hui. Ja, ik wil, maar het is dat voor vandaag. Alléluia. Mais le temps est passé. Maar de tijd is voorbij. Ils ont enlevé les cloques ici. Ze hebben de klok weggehaald. Qui a fait ça? Wie heeft dat gedaan? Je crois qu'évangéliste Simon. Ik denk evangeliste Simon. Vraiment. Echt. Non, on est un peu encore là. We zijn daar nog een klein beetje. Vraiment, je demande ik vraag echt aan jullie. Concentrez-vous très bien. Concentreert jullie goed. Écris là, s'il vous plaît. Schrijf het op alsjeblieft. Trois catégories coutumes qui vont te tuer. Drie verschillende categorieën die jou gaan si doden. Tu ne te repentis pas. Als je niet berouwt. Repente-toi. Bekeert. Dans ta maison aujourd'hui, huis, nu, il n'y aura pas de coutumes comme ça. Tradities, geen gewoontes die vous mee die êtes zijn. Les enfants de Christ. Jullie zijn de kinderen van Christus. Vous êtes nouveau-nés. Jullie zijn nieuw geboren. Vous êtes nouvelle créature. Jullie zijn een nieuwe schepping. Notre espoir, onze hoop. C'est seulement dans le nom de Jésus Christ. Het is enkel in de naam van Jezus Christus. Jean chapitre 14, verset 14. Johannes 14, vers 14. Tout ce que vous demanderez en mon nom. Alles wat jullie zullen vragen in mijn naam. En mon nom. Mijn naam. Je le répète. Ik herhaal. Tout ce que tu vas demander à son nom. Alles wat je gaat vragen in zijn naam. Alors tu vas recevoir. Dan ga je ontvangen. Car si tu as une carte de banque. Want als je een bankkaart hebt. Si il n'y a pas de l'argent dedans. Als er geen geld binnen is. À quoi ça sert? Voor wat dient het? Si tu as une carte de banque. Als je een bankkaart hebt. Tu as l'argent dedans. Je hebt geld erin. Mais tu connais pas les codes. Maar je kent de code niet. Comment tu vas retirer cette bénédiction? Hoe ga je deze zegen eruit halen? Montrez-moi la carte sans l'argent. Laat me zien die kaart zonder geld. Montrez-moi la carte. Laat me zien de kaart sans les codes. Zonder code. Montrez-moi Dieu sans Jésus-Christ. Laat me zien God zonder Jezus Christus. Montrez-moi Dieu. Laat me zien God. Jésus-Christ. Jezus Christus. Sans l'Esprit Saint. Zonder de Heilige Geest. Tous les trois. Alle drie. Sont. Zijn. Eén. C'était ça pour aujourd'hui. Dat was het vandaag. Alléluia. À celui aan diegene qui a compris die begrijpt cette chose aujourd'hui. Deze zaak van vandaag. Si, Père éternel, on a encore des temps. Eeuwige Vader, we nog tijd hebben.
donne-moi la grâce Schenk mir die Gnade, d'expliquer qu'est-ce qui passe dans le monde des ténèbres wat gebeurt in de duisternis wereld, quand c'est lui qui fait des choses comme ça. Wanneer iemand zo zulke dingen doet. Merci Père éternel. Dank u wel, eeuwige Vader. Ainsi je dis Amen. Zo zeg ik Amen. 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 J'ai une bonne nouvelle. Ik heb goed nieuws. On n'est pas encore terminé. We zijn nog niet klaar. Alléluia. Amen. Les autres ont dit yes. Anderen zeggen yes. On est tôt aujourd'hui. We zijn vroeg vandaag. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Maar wat kunnen we on doen? A encore beaucoup de choses à réparer. We moeten veel dingen herstellen. La conséquence maintenant. De gevolgen nu. La conséquence. De gevolgen. Dans les premières catégories. In de eerste categorie. Si tu fais ça. Als je dat doet. Avec des chaînes. Met een ketting. Avec des photos. Met een foto. Pour te protéger. Om jou te beschermen. Des talismans. Een talisman. Pour recevoir le bonheur. Om het geluk te ontvangen. Le diable, il fait comme ça. De duivel doet zo. Écoutez bien. Luister goed. Si tu n'as jamais cru. Als je nooit geloofde. Que le diable existe. Dat de duivel bestaat. Aujourd'hui. Vandaag. Fais attention. Let op. Comprends. Begrijp. Que le diable existe. Dat de duivel bestaat. Et si le diable existe. En als de duivel ça bestaat. Veut dire notre Dieu dat existe. Dat wil zeggen onze God bestaat. Car c'est lui qui a créé. Want hij heeft hem gemaakt. Alors, dus, quand tu fais confiance en le talisman, de kettingen et de photos, en de photos pour te protéger, om jou te beschermen, les démons, ils font comme ça. De démons doen zo. Ils vont envoyer l'esprit des morts. Ze gaan de geest van dood sturen. Dans quelle manière? Op welke manier? Eux-mêmes, ils vont décider. Ze gaan zelf beslissen. Parce que tu es sorti de la main de Dieu. De hand van God. Écoutez très bien. Goed, ça va sauver ta vie. Het gaat jouw leven redden. C'est pourquoi. Daarom. Beaucoup des accidents. Veel ongelukken. Beaucoup de problèmes vous voyez dans la télévision. Die jullie op televisie zien. Un accident très grave. Een heel erg ongeluk. Un pont. Een brug. Qui avait 20 voitures. Il y a 20 auto's. Cette pont est tombé. In een brug toen een keer de brug is gevallen en alle auto's waren kapot en dood waren alle mensen. Alors, si tu n'es pas dus, dans la main du Christ, als je niet Jésus, in de handen van Christus Jezus bent, les démons peuvent décider de demonen kunnen beslissen mort, welke dood, parce que tu es sorti dans want la je main bent de uit de hand van God. Mais si tu es dans la main maar de als Jésus je bent Christ, in de hand van Jezus Christus, alors ta vie est protégée, dan jouw leven zou beschermd worden, is beschermd de in de handen van God. Alors personne va te toucher. Dan zal niemand jou raken. Il faut faire attention. Je moet opletten op iets. Quand diable donne, wanneer de duivel geeft, hij vraagt ook iets. C'est des pactes. Het zijn pacten. Il faut faire attention. Je moet opletten. Quand tu mets du sel wanneer je zout zet dans ta maison, in jouw huis, zodat pas, de demonen niet binnenkomen, ils vont rentrer les géants. Ze gaan de reuzen zelf laten binnenkomen. Parce que ce n'est pas le sel want qui protège, het is niet de zout die beschermt. Ce n'est pas, je ne sais pas of het is quel niet wat, welke ritueel je doet in jouw leven. Ou les rituels que tu connais. Of de ritueel die je kent. Tout cela n'a jamais protégé. Dat allemaal heeft nooit beschermd. Car les diables, van de duivel. Lui, il envoie les géants. Hij stuurt de reuzen. D'abord, ten eerste, pour te prendre, om jou te nemen. Esprit, in geesten, pour que tu travailles pour eux, zodat je werkt voor hun. Ils vont te faire croire que wat gaan ça, ze laten denken marché. Dat het heeft gewerkt? Oh, mais j'ai, oh. Ma mère a fait, oh, cet maar mijn moeder heeft gedaan in die ça, tijd. En toen kreeg ik de kind. Cet enfant, deze kind il ne sera pas l'enfant de lumière. Ze worden niet de kind van de licht. Cet enfant, écoutez luister goed nu, heel goed. Il y a une loi de er is Dieu, een wet van God. La loi on appelle préétablie. Dat noemt de vastgestelde wet. Si, un homme et une femme dus als een man en vrouw se réunit, samenkomen, l'enfant naîtra. De kind zal c'est baren. C'est une loi préétablie. En dat is al een vastgestelde wet van voelen. C'est pourquoi vous voyez, daarom zie même jullie, si tu donnes ton, ook al ton sperme, geef je jouw sperma, comme les autres donnent, zoals de anderen dat doen, pour recevoir de l'argent, om geld te ontvangen, c'est pas bon. Het is niet goed. Parce que ce n'est pas dans la loi de het Dieu is niet in de wet de van God business, om là. Deze zaken te doen. Ne fait jamais. Doet het niet. Mais pourquoi les enfants là? Maar waarom de kinderen? Sont nés aussi. Zijn ook geboren. Parce que c'est la loi établie. Want het is de vastgestelde wet. Alors, si quelqu'un. Dus als iemand. Marche pas avec le Seigneur. Wandelt niet met de Heer. Et fait des rituels. Maar hij doet de rituelen om te ontvangen. Le corps de lichaam sortira comme un enfant. Zal als een kind uitkomen. Mais l'esprit dedans. Maar de geest van binnen. Ce sera des démons. Zal demonen zijn. Amen. Amen. Ah, vous disiez, jullie zeggen, c'est un peu trop fort. C'est un beetje sterk. Parfois, il faut dire la vérité. Soms moeten we de waarheid zeggen. Vous connaîtrez la vérité. Jullie zullen de waarheid kennen.
Soyez sage. Wees wijs. Dans le monde des esprits. In de duisterse wereld. Le monde visuel ne peut pas comprendre. De visuele wereld kan het niet begrijpen. Il faut rentrer en esprit. Je moet die geest binnengaan. Fais attention. Let op. Des rituels que vous de rituelen die jullie écoutez un jullie peu. Luisteren een beetje daar. Si vous connaissez encore beaucoup de Als rituels, jullie nog meer andere rituelen ne kennen. Ne fais pas rentrer dans ta maison. Laat het niet binnen in jouw huis. Tu appelles l'armée du diable. Le leger van de duivel. C'est pourquoi votre enfant Daarom souffre. Jullie, leiden jullie kinderen. Des maladies. Ziektes. Des enfants, ils sont grands. Kinderen zijn gegroeid.